Osez Joséphine avec nous aujourd'hui, ce jeudi 3 juin, on signe la pétition ici, signée, c'est facile comme tout, sur internet avec la pétition lancée par Laurent Cooperman pour panthéoniser Joséphine Baker, la grande Joséphine Baker. Vous êtes dans les anniversaires du jour avec Gérald et Olga et en léger différé de Banzai avec Nathalie Piollet. Ça se passe ici sur l'ordinateur. Avec ce classique qu'on écoute notamment dans Midnight in Paris de Woody Allen. Allez, bon anniversaire aujourd'hui à Paulette Goddard qui a partagé la vie de Charlie Chaplin, Tony Curtis, Alain René, on fêtera son centenaire l'année prochaine, Allen Ginsberg, Joséphine Baker, Jean Bouise, ainsi que Philippe Jean, Frédéric François, plus près de nous, ou Frédéric Lenoir, Julie Gayet et bien sûr Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, ici vertigineux, 20 Grand Chelem, dont 13 Roland-Garros, what else? Tony Curtis, ça se passe là-haut, amicalement vôtre. Et puis bien sûr, et ça c'est face à Roger Moore, face à Marilyn Monroe et Jack Lemmon chez Billy Wilder. On vous a montré l'extrait pour Marilyn. Alors, panthéonisons Joséphine Baker qui était à l'honneur sur France Musique sur tous les programmes de Musicopolis, d'Arabesque, auparavant d'Allegretto, je voulais dire, relax avec les disques de légende et même le vent de Beethoven. Bravo, osez Joséphine. Et ici, un petit coup d'œil à Tony Curtis face à Roger Moore dans Amicalement Vôtre. Mais que fait-elle ici ? Mandy, ma chère. Avec les doublages savoureux en français. Un peu de cognac, vous le trouverez dans le bar. Vas-tu me dire pourquoi elle est ici ? Eh bien, si tu tiens vraiment à tout savoir. Eh bien, il faudra suivre l'épisode. Et puis ici, c'est une des énièmes victoires. Victoire, on l'espère, avec l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. Si vous voulez tout savoir, ça se passe ici avec le compte Twitter du directeur de France Musique, la première star internationale noire, militante des droits civiques, femme exemplaire, résistante. Allez, osez Joséphine avec nous. J'ai deux amours, France Musique et Joséphine Baker. À demain. À demain.